Bonjour tout le monde, bonjour surtout donc Emmanuel qui nous a rejoint, donc qui est à Paris en ce moment où il est 21h. Comme je disais tout à l'heure, donc tu vas faire une conférence dans quelques instants sur, avec un très beau titre, Le monde est bien décevant, l'image, les webcams animalières et la tentation de voir le monde en notre absence, qui est vraiment un titre magnifique. Donc je vous lis la petite bio que Emmanuel nous a envoyée. Donc Emmanuel Fantin est maîtresse de conférences au CELSA Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Ses travaux portent sur les médiations ordinaires, institutionnelles et marchandes de la mémoire et de l'histoire. Elle s'intéresse en particulier aux pratiques culturelles, à la culture matérielle et aux représentations médiatiques liées à la nostalgie, ainsi qu'à la fabrique des imaginaires du passé. Elle a co-dirigé l'ouvrage Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie, paru en 2001, et auquel d'ailleurs j'ai eu le plaisir de participer avec un article qu'on a co-écrit, Katharine Hennemeyer et moi. Donc, en lien direct maintenant avec l'invitation que nous lui avons faite, donc avec Katharina, donc, avec la conférence d'aujourd'hui, Emmanuel prépare actuellement une biographie intellectuelle de Jean Baudrillard, dont on a beaucoup parlé ici, qui paraîtra en 2022, ainsi qu'une initiation ludique à sa pensée à travers un livre, le livre dont Jean Baudrillard est le héros, Morale de la Traverse, qu'elle est en train de coécrire avec une artiste qui s'appelle Camille Zehen. Emmanuel travaille aussi sur les dispositifs d'exposition et de spectacularisation des animaux du 19e siècle à nos jours. Donc hier, en fait, Emmanuel a envoyé son court résumé. Et quand j'ai lu son résumé, j'ai pensé à mon collègue d'histoire de l'art, donc que vous voyez là et que je ne vous ai pas encore présenté, Vincent Lavoie. Vincent, donc en fait, est spécialiste de la cuteness. Donc je me suis dit, ces deux-là, il faut quand même qu'ils soient en relation. Donc, il a écrit ce petit livre qui s'appelle Trop mignon, que je vous conseille vivement les uns et les autres, qui parle donc justement de ces petits animaux que nous adorons torturer au quotidien. Maintenant, je vais quand même pas aller plus loin, mais je vais céder la parole à Emmanuel donc pour une conférence d'une bonne quarantaine de minutes avec des images et des extraits. Merci. Merci beaucoup Magali pour cette présentation. Alors, hop, cette fois-ci je partage mon écran. Alors, bah, merci pour cette présentation Magali et puis merci à toutes les deux, hein, toi et Katharina. Je suis vraiment très très heureuse d'intervenir dans cet événement consacré à Baudrillard. Comme vous pouvez vous le déduire de ma petite biographie qui a été lue par Magali, effectivement j'ai quand même une certaine jubilation à parler de ce penseur qui m'est assez cher. Et donc cette conférence, c'était pour moi une occasion supplémentaire de me pencher sur son œuvre que, effectivement, j'explore un peu sous toutes les coutures ces dernières années. Pour le dire rapidement, mais du coup, si vous avez suivi un certain nombre de conférences liées à Baudrillard, vous en êtes sûrement déjà aperçu. Une des raisons pour lesquelles il me plaît, c'est que c'est le moins académique et le moins universitaire des philosophes que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent dans mes lectures. Et d'ailleurs, vous savez sûrement qu'il fuyait lui-même les colloques qui lui étaient consacrés de son vivant et qu'il a fini par fuir l'université dans les années 80. Alors, à l'origine, je souhaitais effectivement partir, et je suis partie de cette citation et qui est extraite d'un petit film d'une dizaine de minutes qui a été réalisé par Jean Baudrillard lui-même à propos de la photographie en 2001, qui s'appelle Vanishing Point, et dans lequel il nous dit « Vu dans une perspective d'ensemble et du côté du sens, le monde est bien décevant. » Vu dans le détail et par surprise, il est toujours d'une évidence parfaite. Alors, cette citation, elle a vite fait partie de mon catalogue secret et irraisonné des analectes baudrillardiens et elle m'est souvent effectivement revenue à l'esprit quand je me trouvais de temps à autre face à ce qu'on pourrait appeler des petites broutilles visuelles, mais qui semblaient jaillir depuis des photographies, des affiches, des tableaux, des jardins, mais aussi des supérettes, des bureaux de tabac, des métros que je pouvais parcourir. Des détails visuels que je me félicitais en un sens d'être parvenue à apercevoir ou qui donnaient une coloration superbe à des scènes qui me paraissaient dans l'ensemble pourtant bien décevantes. Dans mes journées les plus moroses, je partageais aussi, et je partage encore parfois donc, ce constat d'un monde dans l'ensemble bien décevant, peut-être d'autant plus décevant qu'il est dévoré par sa production continuelle d'images. L'image, nous dit Baudrillard, se démultiplie selon un processus épidémique irrésistible que personne aujourd'hui ne peut plus contrôler. Des images donc omniprésentes, mais des images aussi de plus en plus pleines ou de plus en plus obscènes au sens où l'entend Baudrillard, c'est-à-dire des images qui n'ont plus rien de caché, plus rien de refoulé, d'obscur, des images dans lesquelles tout est visible, trop visible.
et les choses ne sont pas allées en s'améliorant depuis ce texte que vous avez donc tous lu, qui date des années 80. Donc je voulais à l'origine essayer de voir comment on pouvait peut-être théoriquement contrer cette déception baudrillardienne et m'intéresser à partir de son œuvre au devenir discret des choses et à leur invisibilisation. Je voulais me demander, à l'heure où les écrans sont totaux, comme le rappelle bien cet événement, où se nicheraient les vétilles de notre culture visuelle en quelque sorte. Et si Baudrillard fait aussi le constat d'un monde saturé d'images dites obscènes, où seraient alors les petites éclosions du cachet, de refoulé, de l'invisible qui doivent bien persister quelque part? Et comment débusquer la discrétion des images, ou encore comment retrouver peut-être un sentiment de délice visuelle dans ce torrent d'images? Travailler la question de l'image et de l'univers visuel à partir de l'œuvre de Jean Baudrillard, c'était avant tout aussi pour moi une manière de travailler sur la question du réel et de la réalité. Le réel sous toutes les formes, je pense que vous avez dû aussi probablement en entendre déjà parler, puisqu'ils occupent une place absolument centrale dans la pensée de Baudrillard, et c'est par une réflexion sur l'image et l'événement qu'il cherche justement constamment à redéfinir le réel et notre rapport au réel. Un réel assez énigmatique, toujours fuyant, un réel dont il affirme qu'il aurait disparu ou encore qu'il serait né du manque d'imagination. Ces formules, elles peuvent paraître un peu difficiles d'accès, de même que la pensée de Baudrillard peut aussi souvent avoir l'air d'être un peu cryptique, mais la bonne nouvelle, c'est que sa pensée est aussi très systémique. Tous ces concepts sont interreliés, ils s'entourent et s'enroulent pratiquement les uns dans les autres, et donc se dessine une très grande cohérence dans toute son œuvre. Il y a certains de ses détracteurs qui disent qu'il avait tendance à ruminer, mais c'est vrai que c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Il rumine des idées au fur et à mesure des années qui vont effectivement en s'affinant, et voilà, qui suivent quand même une forme de progression, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a même des formules qui reviennent mot pour mot, à la limite de l'autoplagiat dans ses ouvrages. Mais du coup, se dessine une grande cohérence et ça nous permet d'avoir le sentiment qu'il a finalement creusé un seul et unique sillon tout au long de ces années. Et donc c'est rassurant en un sens, puisque une fois, ça signifie qu'il suffit de trouver un point d'ancrage qu'on arrive à comprendre et hop, on peut s'immiscer dans tout le reste de sa pensée et vous verrez que les choses s'éclairent petit à petit. Alors, le point d'ancrage du coup que j'avais choisi aujourd'hui, c'était la grille de lecture interprétative par laquelle je comprends la question du réel chez Baudrillard et qui me donne le sentiment qu'il le lie à deux choses. D'abord, à la question du regard. Comment est-ce qu'on regarde les choses? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qui ne nous est pas visible? Que voit-on quand on croit voir la réalité? Et ensuite, à la question de l'apparition, de la reproduction et de la diffusion des images. Plus largement, à la technologie de l'objet et la manière dont les objets s'emparent de nous et nous gouvernent en quelque sorte. Seulement, voilà, ensuite, j'ai relu l'argumentaire d'écran total et j'ai vu que Magali et Katharina souhaitaient également élargir la pensée de Baudrillard en s'intéressant à des thématiques auxquelles il n'avait pas réagi de son vivant ou pas directement. Donc, vous citiez notamment le féminisme et la pensée postcoloniale qui sont effectivement quand même des points aveugles de son œuvre. Et je me suis dit qu'il avait aussi quand même très peu parlé du vivant. Un vivant qui se rappelle à nous très fortement chaque jour avec la catastrophe écologique dans laquelle on baigne, la disparition des espèces, l'érosion de la biodiversité, etc. Les catastrophes engendrées par la destruction du vivant par l'homme comme les pandémies. Et plus précisément, j'avais remarqué qu'il avait très peu parlé des animaux et je me suis demandé ce qu'il en aurait pensé aujourd'hui justement avec tout son outillage conceptuel. Qu'est-ce qu'il aurait fait des animal studies, les fameuses, quelles pensées il aurait pu déployer, lui qui est d'ailleurs par ailleurs un spécialiste des catastrophes. D'où cette volonté de mêler des images d'animaux à la question du réel et de l'image chez Baudrillard. Voilà, je vous refais un petit peu l'historique de pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à étudier cet objet un peu bizarre. Et j'ai choisi de m'intéresser aux webcams en particulier, parce que, donc là je vous montre, hein, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir, mais on a vraiment l'embarras du choix. Là je vous ai fait des captures d'écran, mais on a aussi des petites, je vous ai mis quand même quelques petites vidéos. Alors, j'ai choisi de m'intéresser aux webcams avec ce site particulier. D'abord, elles constituent en un sens des détails de la culture visuelle contemporaine et même de la culture visuelle animalière contemporaine. Elles sont là, elles sont accessibles, disponibles, gratuites et pourtant, elles n'ont apparemment aucune importance, aucune valeur, aucune autorité. En tout cas, elles concernent un public d'amateurs ou de scientifiques qu'on peut supposer relativement restreint. Encore qu'on est en droit de s'interroger, c'est vrai qu'il faudrait faire une étude là-dessus, parce que quand on voit effectivement le succès des zoos et des autres espaces d'exhibition des animaux, peut-être que je me trompe, et bon, voilà, à vérifier.
Donc, ce sont des détails et en même temps, pourtant, elles sont quand même spécifiques de notre culture visuelle très contemporaine qui est caractérisée, comme on le disait tout à l'heure, par une prolifération torrentielle d'images avec une surenchère des dispositifs de transmission d'images jusqu'à l'écœurement. Une culture visuelle qui est aussi fortement déterminée par nos rapports aux écrans. Les webcams, d'ailleurs, qui prétendent poser des lorgnettes sur le monde en temps réel ne sont pas propres aux animaux. Je pense que vous savez tous qu'il existe des webcams pour à peu près tout. Et d'ailleurs, j'aurais tout à fait pu imaginer une présentation à partir de cette webcam, à partir de cette webcam qui filme le périphérique parisien, à partir de celle-ci à Rome, et celle-là que j'ai trouvée hier et qui m'amusait parce que c'était en temps réel. Et en fait, en observant les gens, on n'avait absolument pas l'impression qu'il y avait une pandémie. Enfin, en tout cas, depuis mon Paris confiné, ça me faisait bizarre de voir cette Californie toute pimpante. Bref, donc j'avais l'embarras du choix puisque une petite recherche Google donne quand même rapidement le sentiment que l'ensemble du monde a été encapsulé. Et enfin, dernier point, je me disais qu'interroger les webcams, c'était aussi une manière détournée de penser la politique de l'image et la moralité de l'image et de sa diffusion. À une époque où le nombre de caméras de surveillance dans le monde est en bonne voie pour dépasser un jour le nombre d'êtres humains, j'extrapole un petit peu, hein, bien sûr, la courbe qui est en train de se dessiner, mais je me demande si je connaîtrai peut-être un jour de mon vivant ce point de bascule, ce moment où nous serons plus d'observants que d'observés, plus de regardants que de regardés sur Terre. Ou plus localement, en pensant au contexte politique français que vous connaissez peut-être, dans lequel on voit bien que les images débordent leur propre cadre et qu'elles ouvrent véritablement un continent de l'agir politique. Et je pense évidemment à la loi de sécurité globale qui est en train d'être achevée, d'être votée, qui est très contestée en France et au sein de laquelle le gouvernement se félicite de pouvoir à la fois mettre en place des drones qui visent à superviser, enfin, surveiller la population en temps réel dans l'espace public, et puis en même temps interdire dans la même loi l'utilisation, la diffusion d'images de policiers en action, le tout dans un contexte de répression et de violence policière assez inouïe. Alors, pour revenir à nos animaux, on pourrait évidemment proposer une lecture foucauldienne de ces dispositifs de surveillance des chouettes, là par exemple. Autrement dit, on pourrait les étudier comme des panoptiques animaliers, mais ce serait un tout autre travail. Et l'approche conceptuelle de Baudrillard me paraît plus curieuse et plus audacieuse, puisqu'elle reviendrait plutôt à se demander tout simplement à quelle réalité nous renvoient ces images. Alors, il y a chez Baudrillard une forte obsession du visuel et de l'image. Il parle pour lui-même d'une fascination brute de l'image déjà présente dès ses premiers ouvrages jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers textes. Pour lui, le monde est au fond comme un merveilleux reportage visuel. Il se décrit comme un amateur un peu sauvage de l'image sous toutes ses formes. Et en même temps, on sent bien qu'il éprouve envers elle comme un double sentiment, une sorte de tourment un peu paradoxal, un mouvement de fascination absolue et de condamnation très dure et très catégorique de l'image en tant que telle. L'image est au cœur de son système de pensée et c'est elle, dans toute sa prétention à reproduire le monde, qui en même temps le court-circuite, l'amenuise, le détourne et le détruit en quelque sorte. Il y a donc d'abord quelque chose de diabolique dans l'image. Et comme je sais que vous avez lu encore une fois ce texte sur l'image avant la séance, je sais que vous avez peut-être fait attention à cette formule, le malin génie de l'image, qui revient d'ailleurs, autre formule qui revient souvent chez Baudrillard. Il parle dans les stratégies fatales du malin génie du social, le malin génie de l'objet, le malin génie de la passion, enfin voilà, le malin génie de beaucoup de choses. En tout cas, par rapport à l'image, dès les premières lignes, il évoque la perversité, qui est quand même un mot très fort, de notre relation entre l'image et son référent, le référent étant le supposé réel. Vous avez aussi probablement noté que Baudrillard va jusqu'à trouver quelque chose de maléfique dans l'invention du miroir et sa potentialité de reproduction en trompe-l'œil qu'il offre finalement. Mais finalement, la véritable initiatrice machiavélique de la prolifération des images pour Baudrillard, c'est vraiment, pour ainsi dire, la sphère de l'information et de la communication à laquelle il prête bien des torts. Toute sa critique de l'image est indissociable de son analyse des médias. Il nous dit que c'est dans la sphère des médias que l'on voit le plus clairement l'événement court-circuité par son retour image et médias. L'information est toujours déjà là. En cas de catastrophe, les journalistes et les reporters sont là avant les secours. S'ils le pouvaient, ils seraient là avant la catastrophe. Sa critique de l'image donc est présente dès ses premiers ouvrages où il parlait essentiellement des médias, en particulier je pense au système des objets, donc son tout premier ouvrage, dans lequel il parle de la publicité et il nous dit qu'elle est au-delà du vrai et du faux, comme la mode est au-delà du laid et du beau, et comme l'objet est au-delà de l'utile et de l'inutile. D'après lui, donc, les images font seulement semblant de ressembler aux choses, aux événements, aux images.
au visage, pardon. Et pire encore, en tant que simulacre, l'image précède le réel dans la mesure où elle inverse la succession logique, causale du réel et de sa reproduction. Pour le dire autrement, d'un point de vue sémiotique, l'image n'est pas une représentation de la réalité et elle le serait d'autant moins finalement qu'elle prétend l'être. L'image subtilise le réel à son profit. C'est encore une autre formule, toujours issue du même texte. Alors, c'est d'autant plus problématique que les images, comme on l'a dit, déferlent sur notre quotidienneté, elles envahissent notre vie et que pour Baudrillard, leur prolifération est potentiellement infinie. Des images qui nous fascinent justement parce qu'elles sont le lieu de disparition du sens et de la représentation. On vivrait dans une confusion virtuelle et irréversible de la sphère des images et de la sphère d'une réalité dont nous ne pouvons de moins en moins saisir le principe. Là, je cite à nouveau Baudrillard, « Notre monde est devenu véritablement infini, ou plutôt exponentiel par l'image. Il est pris dans une course folle à l'image, une fascination de plus en plus grande qui ne fait que s'accentuer avec la vidéo et l'image numérique de synthèse. Nous sommes donc venus au paradoxe que ces images décrivent pour nous l'égale impossibilité du réel et de l'imaginaire. » C'est le caractère immersif, instantané, virtuel de notre rapport à l'image qui va, a priori, d'après Baudrillard, amoindrir la distance entre le sujet et l'écran. En lisant Baudrillard, on peut avoir le sentiment de vivre le réel comme une sorte de travelling, un travelling qui nous guide, évidemment, toujours chez Baudrillard, doucement vers la disparition. Cette formule, hein, vivre le réel comme une sorte de travelling, il l'utilise initialement lorsqu'il étudie les États-Unis dans son ouvrage sur l'Amérique, et ouvrage dans lequel il décrypte le caractère cinématographique de ce pays. Il explique notamment que donc, aux États-Unis, il n'y aurait pas de, l'ensemble du pays serait cinématographique, il n'y aurait pas de coupure entre le cinéma et le reste, et en expliquant qu'en Europe, en Italie par exemple, il n'y a pas de coupure entre le musée et le reste, et il utilise cette image de la sortie du musée à Rome, où on va retrouver dans la rue à ciel ouvert exactement ce qu'on était venu chercher dans l'espace clos et sanctuarisé du musée. Et bien pour l'Amérique, on a un autre rapport à l'espace et un autre rapport au réel qui est caractérisé par une collusion de l'image et de la vie, de l'écran et de la vie quotidienne. Les choses là-bas ne sont visibles que dans ce travelling. Et ce qui apparaît donc dans ce texte et qui concerne à l'origine, au moment où il l'écrit, a priori seulement le territoire américain, en fait, très rapidement, en quelques années, ça glisse subrepticement dans sa théorie vers l'ensemble de nos sociétés et finalement l'ensemble des médias. Baudrillard, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il avoue lui-même, alors là, plutôt dans ses entretiens, qu'en fait, il a plutôt trouvé aux États-Unis, un peu miraculeusement, il a vu se développer sous ses yeux des choses qui auraient préexisté dans ses théories. Et effectivement, il avait commencé à écrire sur le simulacre avant d'écrire Amérique. Et donc, c'est aussi comme ça que c'est un peu construit sa réputation qu'il a encore aujourd'hui d'être un prophète. C'est-à-dire qu'il arrive toujours d'une manière ou d'une autre à expliquer les choses comme si finalement ses théories étaient premières et les événements étaient seconds. Donc très rapidement, ce qui semblait caractéristique du territoire américain est en fait devenu caractéristique de l'ensemble de nos sociétés gouvernées par l'image et par une forme de totalitarisme de l'écran. Et d'ailleurs, on peut penser à Deleuze à propos du cinéma qui disait que le cinéma ne se confond pas avec les autres arts, qui visent plutôt un irréel à travers le monde, mais il fait du monde lui-même un irréel ou un récit. Avec le cinéma, c'est le monde qui devient sa propre image et non pas une image qui devient monde. Donc ça, c'est extrait de L'Image Mouvement qui a été écrit quelques années avant ce texte de Baudrillard de 87 que vous avez lu sur l'image, avant Amérique aussi, me semble. Donc bon, il faudrait enquêter aussi et savoir, mais je pense que ça doit être le cas, si Baudrillard a lu cet ouvrage, parce qu'en tout cas, on trouve des résonances assez intéressantes. Alors, au regard de ce phénomène, l'Amérique est donc un gigantesque hologramme pour lui, dans le sens où l'information totale est contenue dans chacun des éléments. Du point de vue visuel et plastique aussi, on a l'impression que les choses sont faites d'une matière plus irréelle, qu'elles tournent et se déplacent dans le vide comme par un effet lumineux spécial, une pellicule qu'on traverse sans s'en apercevoir. Et donc, au regard de ce phénomène, l'Amérique serait la version originale de la modernité et nous, on serait la version, tout le reste du monde, hein, la version doublée ou sous-titrée, à travers une espèce de continuum qui se serait arrimé via l'image et l'image médiatique en particulier, et en tout cas, ça, il nous l'explique bien, aucun retour en arrière n'est possible. Alors, donc c'est pourquoi je vous parle beaucoup de ce texte qui n'a effectivement rien à voir avec les animaux, c'est parce que c'est aussi dans ce texte qu'on trouve de nombreuses clés pour analyser l'image chez Baudrillard, et plus particulièrement aujourd'hui, ces webcams dont je vais vous parler et dont je vous ai proposé de l'étude.
En Amérique, pour Baudrillard, il nous dit qu'il faut que tout fonctionne tout le temps, qu'il n'y ait pas de répit à la puissance artificielle de l'homme. Et Baudrillard parle notamment de ces visions assez amusantes, des visions fantasmatiques de motels en plein désert, où les télévisions sont allumées et continuent à tourner dans le vide et à diffuser leur image perpétuellement comme une sorte de réflexe, sans que personne ne puisse les regarder dans une sorte d'indifférence totale. Il nous dit, on dirait qu'une autre planète vous parle. Tout à coup, la télé se révèle pour ce qu'elle est, vidéo d'un autre monde, ne s'adressant au fond à personne, délivrant indifféremment ses images et indifférente à ses propres messages. On l'imagine très bien fonctionnant encore après la disparition de l'homme. Toutes ces webcams qui nous rapportent donc constamment le monde en direct, hein, d'animaux ou d'autres choses, la possibilité de voir tout, tout le temps, partout et surtout indifféremment, sont peut-être finalement l'extension contemporaine de la télévision du motel où se trouvait Baudrillard dans les années 80 quand il a vécu cette scène qu'on visualise très bien. Dans un tome de Cool Memories, il nous dit que le monde au fond n'est qu'une sous-préfecture et peut-être que le monde aujourd'hui n'est finalement devenu qu'une pièce vide dans laquelle une télévision au milieu d'un désert, des livres sont tournés d'images à personne dans une indifférence totale. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus spécifique à ces webcams. D'abord, ce sont des relais, donc des espèces de prothèses oculaires ou d'objets techniques à qui, quand on va les regarder, on confie la fonction de nous rapporter le monde, comme si on confiait notre regard à cet objet et comme si on croyait cet objet. Et puis, il y a quelque chose qui leur délivre quand même une forme de singularité, c'est tout simplement qu'il s'agit de filmer en continu des êtres vivants. On pourrait ajouter à leur insu et sans qu'ils aient conscience évidemment du dispositif de captation dans lequel ils se retrouvent pris. Et ça bouscule un petit peu l'ordre des choses. Alors, comme je le disais en introduction, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de réfléchir à ce sujet, l'animal est pratiquement absent de l'œuvre de Baudrillard, et c'est aussi ce qui m'intéressait. Pratiquement absent, mais du coup, j'ai fait quand même des petites recherches et j'ai trouvé qu'il a été évoqué quelques fois. Du coup, je vous fais un petit aperçu de mes trouvailles. Alors, il nous dit « Souvenons-nous que les animaux sont des dieux qui étaient sacrifiés jadis en tant que tels, qu'ils étaient conçus comme supérieurs tant en force qu'en beauté, et qu'ils étaient en intelligence avec nous, c'est-à-dire nos ancêtres et complices dans le cycle des métamorphoses, et non pas nos vulgaires prédécesseurs dans la ligne de l'évolution. On ne se désespérait pas de leur ressembler, au contraire, on prenait leur masque. » Et Baudrillard a également évoqué les animaux de manière un petit peu plus longue, notamment dans un chapitre de Simulacres et Simulations qui s'appelle « Les bêtes » ou « Avec les bêtes », je ne sais plus exactement, dans lequel, qui est assez long, et il y a pas mal de choses qui sont évoquées, notamment il fustige de manière assez systématique la manière dont on va traiter les animaux dans les sociétés contemporaines. Par exemple, il nous dit qu'on nous usons et abusons des bêtes dans les laboratoires, dans les fusées, avec cette férocité expérimentale, au nom de la science, quel aveu cherchons-nous à leur extorquer sous le scalpel et les électrodes. Plus loin, il parle assez longuement de l'élevage industriel et évoque les animaux malades de la plus-value. Il nous dit aussi « Les bêtes ne sont d'ailleurs pas passées au statut d'inhumanité qu'au fil des progrès de la raison et de l'humanisme, logique parallèle à celle du racisme. Il n'y a de règne animal objectif depuis qu'il y a l'homme. » Il évoque enfin aussi les procès d'animaux au Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on avait tendance à condamner les animaux et à les châtier. Et il nous dit « Ils les tenaient pour coupables, c'était leur faire honneur. Nous les tenons pour rien. C'est sur cette base que nous sommes humains avec eux. » Enfin, dernière petite trouvaille, celle-là, je ne pouvais pas ne pas la citer, une petite réflexion sur le foie gras dans les Cool Memories, où il parle de la consommation morbide de l'organe malade d'un animal sacrifié, où il montre en fait du coup que finalement le foie gras incarne l'inverse de l'idée assez classique d'incorporation des propriétés magiques des animaux, où là, on va plutôt incorporer des organes malades, et c'est ça qui va devenir une forme de comble de luxe. Donc voilà, on ne sacrifie plus des animaux divinités, mais des animaux en état de morbidité. Donc c'est difficile, évidemment, avec ces quelques passages, j'en avais encore quelques autres, mais je ne vais pas tous les citer, d'essayer de dresser une philosophie de l'animal chez Baudrillard. Enfin, c'est même impossible, et je ne veux surtout pas que vous m'épreniez, je ne veux surtout pas faire passer Baudrillard pour un militant de la SPA avant l'heure, ni un animaliste, encore moins un vegan. Mais c'est simplement que ces passages constituent des pistes ou des indices à partir desquels on peut commencer à essayer de faire rentrer quand même sa pensée en résonance. Et il me suffit en tout cas à essayer de penser un petit peu l'animal en tant qu'image chez Baudrillard. Du coup, j'en reviens à mes webcams. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à trouver comme ça aussi facilement des vastes supermarchés en ligne de la webcam animalière? Pourquoi une telle compulsion de voir?
Alors évidemment, ce type de dispositif, c'est l'aboutissement ou le prolongement d'un processus de marginalisation et de contention des animaux qui ne datent pas d'hier. Je vous avais proposé aussi, j'avais envoyé à Magali, de lire un article sur les animaux dans les expositions universelles au XIXe siècle, justement pour que vous puissiez avoir à l'esprit que la naissance du capitalisme industriel et médiatique est liée en quelque sorte à un désir profond d'encapsuler le monde et qu'il a inauguré finalement cette institutionnalisation du désir de voir les animaux à travers des dispositifs qui sont aussi une manière toujours de les qualifier et de qualifier notre rapport à eux. Donc le 19e siècle correspond au moment où on va vraiment voir éclore ce besoin maladif des sociétés occidentales d'ordonner, de classer, d'inventorier et du coup au passage de prendre le pouvoir sur le monde qui l'entoure en faisant émerger des imaginaires de l'altérité radicale, imaginaires donc souvent communs aux hommes et aux animaux et aux autres sociétés non occidentales, avec une fascination pour l'exotisme, l'ailleurs, le lointain, etc. Donc là, je vous ai mis un montreur d'ours. J'ai particulièrement aimé cette photo puisque ce sont des ours qui se trouvent devant la société centrale de sauvetage des naufragés. Je trouve ça assez amusant. Alors, ces systèmes de classement donc, sont déjà des regards posés sur le monde, un regard qui institue une hiérarchie pyramidale dans laquelle, évidemment, l'homme blanc occidental se situe tout au-dessus, suivi d'autres communautés humaines, puis des animaux. Et c'est une hiérarchie qui peut se décliner à l'infini. Hein, on peut zoomer à certains endroits. Et dès qu'on est en présence de deux espèces, on va toujours pouvoir trouver dans les imaginaires culturels de l'animal l'une qui serait supérieure à l'autre. Donc, par exemple, l'insecte se situera toujours en dessous du chat ou du panda. Et on ne s'imagine pas, peut-être ou difficilement encore aujourd'hui, s'émerveiller, se délecter devant un parterre de cafards qui grouillent, mais on s'émerveille d'une coccinelle si rare. Et d'ailleurs, après avoir écrit cette phrase, pas plus tard qu'hier après-midi, j'ai eu une coccinelle véridique. Je m'ai baladée avec mon compagnon qui est venu se poser sur ma joue. Et ayant pourtant moi-même écrit cette phrase, j'étais quand même pris dans une forme de ravissement parce que c'est si rare d'avoir une coccinelle qui vient se poser sur nous. Et voilà, donc on commence très tôt cette éducation hein, au goût et au dégoût des animaux. Certains sont des ornements et d'autres sont de toute manière condamnés hein, un peu irrépressiblement à la répulsion. Donc à l'origine de l'émergence de ces taxinomies, il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'observation et de la représentation avec l'idée d'une conformité au réel telle qu'on la trouve dans l'image. Et on voit aussi, comme j'en parlais aussi dans l'article, à quel point la passion pour la taxidermie qui émerge au XIXe siècle est en un sens une sorte de proto-fascination pour la représentation mimétique ou la transposition d'une supposée réalité animale. Alors du coup, je n'ai pas résisté à vous montrer des petits exemples de Walter Potter, qui est le grand taxidermiste anthropomorphique du XIXe siècle et de l'époque victorienne, qui avait un énorme succès au XIXe siècle. Donc on avait deux types de taxidermie. En gros, la taxidermie anthropomorphique, comme vous avez ces exemples sous les yeux, qui visait à miniaturiser le monde et à mettre en scène le pouvoir allégorique des animaux. On voit bien qu'il y a d'ailleurs une espèce de fascination de soi-même par le miroir de l'altérité dans cette démarche. Et puis, à l'inverse, la taxidermie scientifique, qui, à l'inverse, prétendait représenter l'animal dans toute sa réalité, même si souvent la scénographie qui l'accompagne trahissait toujours un désir et trahit encore un désir de représentation, comme on peut le voir au Muséum d'Histoire naturelle, par exemple. Alors, vous connaissez sûrement ce texte de John Berger, « Pourquoi regarder les animaux ?» John Berger, qui était un historien de l'art et qui questionne justement notre obsession de la monstration et de la mise en visibilité et de l'observation des animaux. Pour lui, à mesure que les sociétés humaines ont cherché à encager et observer les animaux, ces derniers se seraient éloignés progressivement jusqu'à disparaître. Ces deux derniers siècles, les animaux ont progressivement disparu. Aujourd'hui, nous vivons sans eux, dit-il. Donc ça, c'était il y a quand même une trentaine d'années. D'après Berger, le gouffre progressivement creusé entre l'homme et l'animal tient justement aux efforts démesurés des hommes de transformer l'animal en marchandise, en objet d'observation ou en imagerie pure. Et c'est vrai que la rencontre avec l'animal, de même que l'enchantement, la surprise ou l'allégresse que procure cette soudaine visibilité du vivant, est désormais bien souvent orchestrée par une représentation imagée, soumise aux critères esthétiques de son instigateur ou instigatrice comme moi, donc encore une fois hier avec ma coccinelle. Cette brève histoire du rapport à la monstration des animaux depuis deux siècles répond déjà partiellement à la question que je me pose, à savoir pourquoi est-ce que j'aurais besoin aujourd'hui d'un peep show animalier et qu'est-ce que ça dit sur notre culture visuelle contemporaine. Alors, les raisons peuvent être multiples. Évidemment, on cherche encore maintenant hein, le dépaysement, l'altérité, un sentiment de maîtrise ou d'emprise sur le monde, l'idée d'un ailleurs, comme on l'a déjà dit.
Il y a d'ailleurs sûrement chez nous, dans notre fascination pour le roi lion ou Madagascar, quelque chose de totalement intériorisé et hérité du colonialisme. Je renvoie à un certain nombre d'études sur Disney qui ont pu être faites à ce sujet. C'est bien sûr pas du tout la même chose hein, pour Disney de donner la parole à un crocodile, un zèbre, un chien ou un chat. Ce qu'il y a de commun, en revanche, dans cette envie et ce désir qu'on peut avoir de voir l'animal, c'est une certaine sentimentalité à l'égard des animaux. Et Baudrillard nous dit justement que cette sentimentalité serait le signe sûr du mépris où nous les tenons. Elle est proportionnelle à ce mépris. Donc, proportionnelle à ce mépris, ça aussi, c'est une formule très baudrillardienne. Hein, il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Alors, est-ce que ces webcams ne seraient pas simplement les témoins d'une fascination plus ou moins assumée pour l'invisible, qui exprimerait aussi peut-être une domination supplémentaire de l'homme sur les autres espèces et sur le monde ? Et c'est aussi chez John Berger que j'ai trouvé des clés parfois assez proches de la pensée de Baudrillard. John Berger nous dit « les animaux sont toujours les observés. Le fait qu'ils puissent, eux, nous observer aussi, comme l'a fait mon chat tout à l'heure, a perdu toute portée. Ils sont l'objet de notre savoir en constante progression et chaque élément que nous ajoutons à notre connaissance des animaux est un indicateur de notre pouvoir sur eux et par conséquent un indicateur de ce qui nous en sépare. Plus nous en savons, plus ils s'éloignent. » Les webcams révèlent pour moi quelque chose de majeur, c'est l'importance de la vision et du regard comme élément de pouvoir. Dans notre relation à l'animal, une grande part de nos rapports passe par le fait que de nombreux animaux peuvent se cacher. Ils sont devenus bien avant nous des maîtres de la simulation à travers de nombreux processus de camouflage dont ils peuvent se draper. D'ailleurs, ils savent bien mieux que nous ce que l'invisibilité veut dire. Et je vous renvoie ici au fabuleux ouvrage de Anna Roschel, Ni vu ni connu, sur l'histoire du camouflage, ou plus exactement, comment est-ce que les sociétés humaines, par exemple, dans l'armée, enfin voilà, dans ce genre de situation, on a cherché désespérément à s'inspirer des techniques de camouflage des animaux dans la nature et comment disparaître aux yeux des autres hommes. Mais cette capacité à disparaître aux yeux des hommes, des animaux, elle a été donc constamment malmenée, battue, contrée par le désir prométhéen des hommes de maîtriser et voir le monde non humain. Ce désir, il a émergé pour Baudrillard d'abord par la photographie, dont Baudrillard nous dit justement qu'elle témoigne du désir de voir le monde en notre absence. Et là, je le cite, « N'avons-nous pas le fantasme profond ?» Alors, il écrit parfois « fantasme » comme ça et parfois avec un F, j'arrive pas à savoir d'où vient cette nuance chez lui. N'avons-nous pas le fantasme profond depuis toujours d'un monde qui fonctionnerait sans nous ? La tentation poétique de voir le monde en notre absence, exempt de toute volonté humaine, trop humaine. Ces webcams seraient donc une des tentations poétiques de voir le monde en notre absence. Mais elles ne sont pas juste une tentation, puisque la tentation suggère l'inachèvement. Elles sont véritablement une tentation accomplie, puisqu'elles sont décuplées à l'infini, disponibles 24 heures sur 24 et présentes partout dans le monde. En réalité, quand je parle de ces webcams, donc autour d'un seul et unique dispositif, j'évoque en réalité quatre possibilités ou quatre configurations du regard à l'animal qui ne témoignent pas tout à fait des mêmes choses, puisqu'il existe deux types de webcams et deux types d'images. Les webcams d'animaux non contraints, ou qui ne sont pas dans des situations ou dans des dispositifs de contention, donc par exemple sous l'océan, les nids d'oiseaux, les plages par exemple, etc. Et puis les webcams d'animaux contraints ou sous contrôle de l'homme, donc dans des zoos, dans des réserves, dans des refuges, comme c'est le cas par exemple pour ces girafes. Et puis ensuite, on va avoir deux types d'images. On va avoir les images qui sont véritablement en temps réel ou en direct, et puis les best moments, ou les highlights, qui sont là pour quand on n'a pas de grain à moudre, qui viennent ravir notre désir d'événement. Alors Baudrillard se demanderait probablement, en regardant ces images, quelle est la réalité de ces girafes que je regarde depuis mon salon parisien sur mon ordinateur. Comme je l'ai déjà évoqué, il nous inviterait probablement très rapidement plutôt à la négation absolue du caractère intrinsèque de la réalité que ces dispositifs présentent nous donner à voir, puisque pour lui, la réalité est une imposture. Ou il le dit un petit peu autrement dans cette jolie formule, la réalité en général est trop évidente pour être vraie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces propos entrent parfaitement en résonance avec ces images d'animaux. Effectivement, le nid de chouette qu'on a vu tout à l'heure, où j'observe au fin fond d'une faunerie du Montana, me paraît trop évident pour être vrai. Cela rappelle encore une fois ce que John Berger dit à propos des photographies animalières. Il dit que techniquement, les procédés mis en œuvre pour obtenir des images toujours plus saisissantes concourent à produire des résultats trahissant leur normale invisibilité. Ces images n'existent que par l'intermédiaire d'une clairvoyance technique. Et il parle ensuite d'un livre de photographie animale qui explique que les photos ont été prises, que chacune des images dure en temps réel moins de 3 centièmes de seconde, ce qui surpasse de beaucoup les capacités de l'œil humain.
Et donc, il nous dit, tout ce que l'on voit dans le livre n'a donc jamais encore été vu pour la simple raison que cela est totalement, totalement invisible. Donc, on voit que là, c'est quand même assez proche des analyses de Jean Baudrillard sur la photographie. Donc pour Baudrillard, ces images, effectivement, je pense, comme pour John Berger, n'existeraient pas, ou du moins peut-être n'auraient pas à exister, ou en tout cas, elles sont invisibles pour nous, et c'est la technicité de ces dispositifs de surveillance et de captation qui les rendent visibles. Qu'est-ce qui reste donc de réel dans ce temps réel des images que la technique nous rend visible? Est-ce que ces images sont virtuelles au sens de Baudrillard, c'est-à-dire un virtuel qui me pense, un virtuel qui n'est pas destiné à recouper le monde réel, mais un virtuel qui, ayant absorbé l'original, produit le monde comme indécidable? Effectivement, en regardant ce singe, je me dis que cette vidéo, ce singe produit le monde comme indécidable, puisque ces images produisent la mise en place d'un artefact parfait, virtuel et technologique, tel que le monde pourrait s'échanger contre son double artificiel. Cette disparition du réel, elle signe aussi la disparition de l'événement, et l'acharnement de ces sites web à chercher à produire de l'événement témoigne justement de sa disparition. C'est là tout le paradoxe de notre regard sur ce peep show animalier. On veut du live, du direct, du simulacre de réalité, mais on veut qu'il se passe aussi quelque chose. C.F. Baudrillard qui dit là aussi très régulièrement, je le cite, « Il y a en nous un immense désir d'événement ». Là, c'est vraiment une phrase qui revient très très souvent. Ce désir d'événement est donc un moteur de nos sociétés et presque un petit gouverneur de nos êtres propres. D'où les best moments, les highlights, car pour nous, l'événement ne peut pas être le silence, l'ennui, la lenteur, le sommeil, l'invisibilité, le banal de l'animal. Le live doit coller à nos scénarios cinématographiques préexistants. On désire une fois de plus que le réel corresponde à notre petit travelling intérieur. On peut se dire que l'injonction à l'événement existe d'ailleurs dans le dispositif même de la webcam et que ce désir d'événement ne peut mener qu'à sa déception. Et vous me direz peut-être tout à l'heure si c'est ce que vous avez ressenti justement quand je vous avais envoyé un lien d'une webcam sous l'océan dans lequel il ne se passe absolument rien, enfin pas grand-chose. Voilà, pour déclencher chez vous peut-être ce désir d'événement dont parle Baudrillard. Donc vous me raconterez. Il nous dit, il y a en nous, donc encore dans un autre livre, un immense désir d'événement et une immense déception car les contenus de l'information sont désespérément inférieurs à la puissance des moyens de diffusion. Et c'est exactement donc ce même sentiment de déception qu'on éprouve devant ces contenus issus de webcam et qu'on éprouve de toute manière plus largement quand on est face à des animaux et notamment aux zoos. Et je pense en particulier à Mélanie Roustan qui est une chercheuse au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et qui nous disait quelques semaines dans un séminaire, elle travaille sur les zoos et sur les publics des zoos, et elle nous disait que les visiteurs sont constamment déçus de ce qu'ils trouvent au zoo parce qu'en fait ils voudraient que les animaux fassent exactement ce que l'on attend d'eux. Et elle nous a raconté des anecdotes assez tragiques, notamment des zoos par exemple en Chine où on retrouve souvent des kangourous qui sont lapidés parce que les visiteurs lancent des pierres pour mettre en mouvement en fait le kangourou pour qu'il corresponde au comportement archétypal qui est attendu du kangourou. Et on trouve aussi ça, en l'occurrence, elle travaille sur le parc zoologique de Vincennes, qui est vraiment à la limite de Paris, où les soignants ramassent tous les jours, nous disait-elle, 10 kilos de cailloux dans le bassin des otaries, parce que les visiteurs lancent des cailloux pour les voir bouger, pour les mettre en action, pour répondre à notre désir d'événement. Donc on voit bien ici à quel point les images d'animaux et toute notre culture visuelle animanière a contaminé notre idée de ce que peut être la réalité d'un animal. Et là, je me fie encore une fois à Baudrillard qui nous dit « Ce n'est pas dans son rôle de reflet que l'image est intéressante, c'est quand elle commence à contaminer le réel et le modéliser. » Baudrillard nous dirait peut-être qu'on a vraiment le sentiment que les images ont littéralement subtilisé le réel à leur profit. Elles anticipent sur lui au point que le réel n'a plus le temps de se produire en tant que tel. D'autant que le réel est, pour Baudrillard, le plus bel espace de dissuasion du temps et de l'événement. Que reste-t-il donc des animaux dans ces images qui court-circuitent le réel? Je voulais à l'origine, je le rappelle, réfléchir à ces webcams justement parce que je cherchais à contrer la déception du monde. Je cherchais le détail, l'invisible, le surgissement du sens, une forme d'extase du visuel et je n'ai trouvé au terme de ce parcours que l'obscénité des images, la disparition du sens et celle des animaux. J'ai ressenti ce que Baudrillard écrit quand il dit « En fait, c'est la déchéance et la dérision de l'illusion cinématographique qu'on vous présente là ». De même qu'à Disneyland, une parodie de l'imaginaire. Merleau-Ponty, dans un tout autre registre, nous disait que le voir est le résultat d'un apprentissage. Il est vrai, là je le cite, il est vrai à la fois que le monde est ce que nous voyons et que pourtant il nous faut apprendre à le voir. Est-ce donc alors peut-être que je n'ai pas suffisamment appris à voir le monde pour le percevoir? C'est aussi une autre clé de lecture parallèle à la clé de lecture de Baudrillard.
En tout cas, il y a quelque chose de paradoxal dans ces dispositifs qui sont dans leur essence même obscènes et en même temps qui offrent la possibilité ou l'espoir d'une épiphanie, d'une émotion, d'une évidence parfaite, là je cite donc Baudrillard, de la contemplation. Et finalement, ils sont assez baudrillardiens, ce qui me rassure un peu lorsqu'il nous dit que toutes les situations sont paradoxales et que le paradoxe est devenu finalement la seule méthode possible, alors que les disciplines s'en arrangent très mal évidemment. Ça, il dit ça en 86. Il y a effectivement un amour du paradoxe assez intense chez Baudrillard qui est mis en avant et aussi une acceptation du coup du paradoxe comme modalité de rapport au monde dans ses ouvrages. Alors, on pourrait se demander chaque matin avec lui donc... Ah oui, je voulais vous montrer ces petites otaries, je ne sais pas... On pourrait se demander pourquoi, moi je vais vous laisser sur les otaries, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas autant de monde réel que de monde imaginaire? D'ailleurs, ce n'est pas des otaries, je crois que c'est des lions de mer. Pourquoi il n'y aurait qu'un seul monde réel? Pourquoi une telle exception? Quant au monde des animaux, ils sont de toute manière fondamentalement insondables. Les animaux emportent leur mystère qui ne nous appartiendra jamais. Leur réalité ne peut être qu'une fiction pour nous, que l'on s'acharne à étudier. Mais au fond, quelle expérience du monde fait-on lorsqu'on est une girafe? Comment sentir dans mon corps ce que ressent un chien qui a 100 fois plus de neurones olfactifs que moi? Ça reste impossible. La seule et unique certitude, c'est que ces webcams témoignent bien d'une forme de désarroi, d'un spectacle d'un monde en train de disparaître. Et la pensée de Baudrillard, donc elle est à la fois métaphorique, conceptuelle et en même temps, elle est bien réelle. Si tant est que ce mot existe, là je reprends les paradoxes baudrillardiens, en tout cas les animaux sont effectivement en train de disparaître. Un seul chiffre pourrait suffire, même s'il y a des études évidemment chaque jour qui pleuvent maintenant. 68% des populations d'animaux sauvages auraient disparu entre les années 70 et 2016, principalement à cause de l'activité humaine. Et donc, il y a une concomitance paroxystique entre leur disparition de la surface de la Terre et leur disparition orchestrée par leur spectacularisation sous notre œil avide d'événements. Là, je cite Baudrillard à nouveau, « Les choses visibles ne prennent pas fin dans l'obscurité et le silence, elles s'évanouissent dans le plus visible que le visible, l'obscénité. » Donc, ces webcams qui produisent ce torrent d'images, et paradoxalement, elles sont aussi des dispositifs d'oubli, ou du moins, elles participent au grand orchestre de l'oubli qui décrit notre rapport aux animaux. Pour Baudrillard, à nouveau, il y a deux formes d'oubli, soit l'extermination lente ou violente de la mémoire, soit la promotion spectaculaire, le passage de l'espace historique dans l'espace publicitaire. Ces webcams animalières, prises dans la gigantesque valse des animaux lointains qui peuplent notre quotidien, nos fictions, nos papiers peints, nos cahiers, nos t-shirts, montrent bien à quel point les animaux font effectivement l'objet d'une publicité constante, laquelle témoigne de leur disparition. On voyait dans les expositions universelles et plus largement au XIXe siècle émerger cette nouvelle vogue de la spectacularisation des animaux et lentement, la sédimentation d'un regard porté sur le règne animal comme devant être observé, traqué, devant nous amuser et contenter notre soif d'événements et d'images, s'est parfaitement naturalisé. Et maintenant, le spectacle a déjoué la réalité. Et pour reprendre Baudrillard, on est en droit de se demander si le monde lui-même n'existe pas qu'en fonction d'une publicité qui pourrait être faite dans un autre monde. Et le plus paradoxal, c'est peut-être que ce détail de la culture visuelle lève aussi le voile sur l'évidence de notre disparition. Là, je cite à nouveau Baudrillard, « Disparition de l'humain, qui résulte précisément d'une logique interne, d'une obsolescence intégrée, de l'effectuation par l'espèce de son projet le plus grandiose, le projet prométhéen de maîtrise de l'univers, d'une connaissance exhaustive. Bon, » je vous l'accorde, c'est un peu plombant et un peu sinistre. Et à ce compte-là, cela pourrait être un euphémisme de penser que le monde est en effet bien décevant. Mais pour Baudrillard, il y a cette idée non pas qu'on est proche de la fin, mais que la fin est déjà là. Et là, je vais citer Edgar Morin à propos de Baudrillard. Et du coup, le fait que la fin soit déjà là permet à Baudrillard de vivre une apocalypse de père tranquille. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on ressent dans son œuvre. Puisque d'un côté, on a la disparition de l'homme et l'évanouissement d'une réalité dont on savoure en quelque sorte le crépuscule. Et de l'autre, et là je cite Baudrillard, on peut vivre et survivre avec le monde réel, avec le principe de réalité. Et c'est ce que nous faisons d'une certaine façon. Mais c'est beaucoup plus amusant de faire le pari que la réalité n'existe pas. Si on fait l'hypothèse que la réalité n'existe pas, alors tout change et c'est fantastique. Ne soyons donc pas si désespérés, le monde n'est peut-être pas si décevant, car après tout, nous ne sommes réels que par hasard et aussi immortels sans le savoir. Voilà. Je m'arrête sur cette tortue.
Merci beaucoup Emmanuel pour cette magnifique conférence qui nous a fait voyager à travers Baudrillard, les webcams animalières, les époques. C'était vraiment, vraiment fascinant et avec ton chat derrière, c'est encore plus délicieux parce que Ouais, tu n'étais pas seule à l'écran, vous étiez je le voyais de temps en temps, ouais, comme s'il avait senti qu'il avait besoin d'être de C'est performer ce que ça. j'étais en train de dire. Exactement.